Amis téléspectateurs, nous saluons, nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de Opinion PAM, émission présentée chaque mardi sur RPTV dans YouTube et dans Facebook. Son émission côté que nous partageons avec vous, yon information d'actualité. Bonjour et jeudi, l'actualité est politique. Amis téléspectateurs, nous allons parler de quelques nouveaux développements qui gagnent dans la politique pays d'Haïti, particulièrement pendant le jour qui se passe là. Premièrement, il y a un nouveau conseil électoral provisoire qui est censé déclarer dans le pays d'Haïti. Nous prévenons avec la liste des membres qui composent ce nouveau conseil électoral provisoire. Dans un deuxième temps, amis téléspectateurs, il y a une nouvelle mission qui remet à ce CEP en dehors d'organiser les élections dans le pays d'Haïti. Dans un troisième temps, amis téléspectateurs, il y a les États-Unis qui réagissent officiellement concernant tout le monde qui leader politique dans le pays d'Haïti, qui t'a metté en travers le processus électoral, yo capable de faire face à des conséquences, d'après ça qui sortit comme information. Et puis, amis téléspectateurs, dans un quatrième temps, il y a des réactions de la part de certains leaders politiques concernant cette nouvelle donnée politique dans le pays d'Haïti. Nous pourrons porter pour vous, une après l'autre, les réactions officielles qui ont été enregistrées pendant ces trois derniers jours. Donc, amis téléspectateurs, nous chargez aujourd'hui. Et ne ratez pas la deuxième tranche de l'émission du jour, Relations publiques. Pour aujourd'hui, nous avons quatre annonces importantes. Bienvenue à l'émission du jour. Le temps d'une pause, on se retrouve dans un instant. Getty Garden Restaurant, bien installé dans 6370 West Oakland Park Boulevard, Sunrise, Florida. Et c'est bon manger qu'a servi tous les jours de la semaine. Relais 754-206-4185 pour commandes personnelles en groupe ou en famille. Dans Getty Garden Restaurant, les meilleures plats sont disponibles. Poulet, tasso, griot, fritaille, bouillon, légumes. À tout l'autre bon manger la caillou, pareil spécialement pour vous. Dans Getty Garden Restaurant, qui est espace disponible pour réception baptême, communion, anniversaire, réunion business ou bien qu'importe événement familial ou social. Relais 754-206-4185 pour réservation. Getty Garden Restaurant également fait catering services pour toute occasion. Getty Garden Restaurant, 6370 West Oakland Park Boulevard, Sunrise, Florida. Téléphone 754-206-4185 ou qu'à visiter restaurant online tout dans GettyGarden.com. Pour bien manger tous les jours, Getty Garden Restaurant pour toujours. Sunrise School of Nursing, c'est une école de formation pour les professionnels de la santé qui offre Associate of Science in Nursing on campus ou bien online, Practical Nursing Program en 12 mois on campus, Nursing Assistant Program en 10 semaines on campus. Des points intéressés, relève 954-765-6919 ou bien visitez Sunrise School of Nursing qui est dans 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Online, c'est sunrisenursingfl.com. Avantage pour c'est que classe offre le matin, le soir, en fin de semaine ou bien online. Et même si vous habitez en dehors de la Floride ou qu'après une classe, relais pour plus d'informations dans 954-765-6919. Classe dispensée par des professeurs qualifiés et expérimentés qui maîtrisent dans le domaine de la santé. Sunrise School of Nursing, fondée et dirigée par professeur Lynn Chancy, nurse practitioner qui maîtrise et puis tout de longues années d'expérience et de bonne réputation dans préparer élèves pour passer examen l'état et offrir assistance travail. Sunrise School of Nursing, licencié et approuvé par l'État de la Floride avec Florida Board of Nursing. Adresse 4600 Northwest 9th Court, suite numéro 2, Plantation, Florida. Téléphone 954-765-6919. Online, sunrisenursingfl.com. Tous élèves qui graduent dans Sunrise School of Nursing sont des leaders dans le domaine de la santé, quel que soit côté au travail. Maine,
Financial Services. Faut songer que le suite dans 76, Mount Vernon Place dans Newark, New Jersey, tout pareil pour le fil taxe sur le principe Internal Revenue Service pour qu'à gérer finance ou bien dans les yeux la loi. Il est 973 980 86 92 Jodia pour qu'à son rendez-vous taxe dans Maine Financial Services qui est un service investissement spécial pour tout jeune qui n'a 20 ans. Avec $2,000 pour qu'à payer par mosso, Maine Financial Services garantit un return qu'a fait qu'il est content en quelques années. Il est 973 980 86 92 demandé pour Jamar Joseph pour un rendez-vous d'investissement. Dans Maine Financial Services, il y a tous services d'hôte public, life insurance, MoneyGram, sports agent, investissement dans real estate, réparation crédit, traduction documents, service immigration, enregistrement légal pour business ou et puis tout un bon service transportation. Maine Financial Services, 76 Mount Vernon Place, dans Newark, New Jersey, téléphone 973 980 86 92. 973 980 86 92. Avec Maine Financial Services, tout ça fort réglé. Gold Choice Productions. T'as aimé fort songer que c'est une compagnie qui est spécialisée dans bail service pour toute occasion. Dans Gold Choice Bonhomme, qui dans 345 South State Road 7, Marguerite, Florida, c'est depuis l'année 2003 qu'on ouvre les portes pour mariage, baptême, anniversaire, graduation, communion, corporate event, c'est même funérailles. Rilez 954 984 95 44 ou bien 754 224 08 90 pour plus d'informations. Dans Gold Choice Party Rental, y'a loué table, chaise, tente, ustensiles de cuisine pour réception privée. En plus de photos, vidéos, maître de cérémonie, DJ, a tout ce qu'il a besoin pour événements privés capables d'un succès total. Et avantage pour vous, c'est que Staff Gold Choice là pour tes équipements installé pour vous, démonter matériel après réception. Rélez jeudi, 954 984 95 44 ou bien 754 224 08 90. Gold Choice, c'est plus bon choix pour un événement inoubliable. Rupi Production Television, RP TV, le carrefour des informations et de la promotion. Bienvenue au développement de l'actualité, amis téléspectateurs, dans l'émission Journée Jeudi. Comme annoncé précédemment, l'actualité est plutôt politique à l'émission du jour. Dans un premier temps, il y a un nouveau conseil électoral provisoire dans le pays d'Haïti avec 9 membres. Nous allons porter pour la liste officielle de personnalités qui composent ce nouveau conseil électoral. Dans un deuxième temps, amis téléspectateurs, gagnent une nouvelle mission que by CEPSA en dehors de l'organisation des élections. Nous allons venir avec des détails appropriés. Dans un troisième temps, gagnent les États-Unis qui fait qu'on ait que gagnent des conséquences que les gagnent pour n'importe qui leader politique ou bien parti politique ou bien entité politique qui t'a journée aujourd'hui en mettant en travers processus électoral là dans le pays d'Haïti. Et puis gagnent pratiquement pour PPT 4 leaders politiques qui réagissent concernant ces nouvelles données de l'actualité politique en Haïti. Tout ceci, amis téléspectateurs, dans un reportage. C'est vendredi 18 septembre qui s'est passé là dans le journal Le Moniteur numéro 151 que l'arrêté nommant les membres du nouveau conseil électoral provisoire et fixant son mandat est arrivé publié officiellement. Ils ont arrêté qui confirmait les déclarations du Premier ministre Joseph Joute le mercredi 16 septembre écoulé sous antenne une station radio dans la capitale. Côté qu'il a annoncé que différents secteurs de la société civile étaient désignés le représentant du nouveau CEP chargé d'organiser les prochaines élections. Dans son article premier, sont nommés membres du conseil électoral provisoire les citoyens suivants. Monsieur Louis Arlex Noël, représentant du secteur des handicapés. Madame Nadia Jules Amédée, représentante des secteurs paysans coopératives. Madame Guylande Mésadieu, représentante du secteur des droits humains. Monsieur Antonio Détil, représentant du secteur de la jeunesse. Monsieur Patrick Numa, représentant du secteur syndicat. Madame Esperancia César, représentante de la diaspora. Madame Josette Massillon, représentante des organisations de femmes, révérend Guy Romélus, représentant des cultes réformés,
Madame Marie Rosemène Joseph-Pierre, représentante du culte vaudou. Le conseil électoral provisoire nommé par le présent arrêté a pour mandat, premièrement, d'organiser le référendum constitutionnel afin de doter le pays d'une nouvelle constitution. Deuxièmement, organiser des élections locales, municipales, législatives et présidentielles. Troisièmement, organiser des élections pour tout poste vacant dans le pays d'Haïti. On peut signaler que suite à cette publication, il y a un tweet de l'ambassade américaine dans Port-au-Prince qui est publié en créole et en français qui fait qu'on est que les États-Unis battent bravo la contentement pour la formation du nouveau conseil électoral provisoire par l'administration Moïse Joute. Les États-Unis prennent note de l'annonce de la formation du conseil électoral provisoire, étape importante vers les élections législatives. Nous attendons la publication d'un décret électoral et du calendrier électoral pour le rétablissement du Parlement en Haïti dès que possible techniquement. C'est ça que fait qu'on est l'ambassade américaine dans un communiqué rendu public. On a pu signaler que différents acteurs et différents secteurs de la société civile, Genayo qui bat bravo la contentement, gagne l'autre qui pratiquement dénoncé cet arrêté présidentiel qui pas conforme à la constitution en vigueur. En tous les cas, on a pu signaler que un haut fonctionnaire du département d'État américain, non conférence pour la presse spéciale suite à la publication de la liste des membres du nouveau conseil électoral provisoire, fait qu'on est, et n'a pas cité, que tout protagoniste, qui dit donc que tout le monde qui t'a refusé impliqué dans le processus électoral, c'est pour qu'on est, que doit faire face à des conséquences, c'est ça que prévenu un haut responsable de l'administration américaine. N'a pas signalé, les amis téléspectateurs, que ont l'autre pas, gagné le parti Racine Camp Peuple, qui dirigé par l'économiste Camille Chalmers, qui annonçait l'expulsion de Madame Guylande Mésadieu et de son compagnon Antonin Le Mortimer de cette organisation politique. Une décision qui prend par le parti qui contestait la publication de l'arrêté nommant les 9 membres du Conseil électoral provisoire ayant pour mission d'organiser un référendum constitutionnel pour doter le pays d'une nouvelle constitution et réaliser les prochaines élections locales, municipales, législatives et présidentielles. La participation de Guylande Mésadieu au CEP en tant que représentante du secteur des droits humains, c'est un bagage qui est interprété par le parti politique Racine Camp Peuple comme un crime de haute trahison d'après Saoudi dans un communiqué rendu public. On a pu signaler que depuis la publication de l'arrêté nommant la présidente de la Fondation Zanmi Timoun, Guylande Mésadieu, au Conseil électoral provisoire, cette militante des droits de l'enfance rivait joindre un pile critique de la part de certains secteurs. Madame Mésadieu nous rappelait, c'est une monde qui était le porte-étendard de un pile manifestation publique qui était confaite pour demander côté comme Petro-Caribéa. En réaction à ce qui a passé dans le pays d'Haïti aujourd'hui au niveau électoral, gagnant le leader politique Moïse Jean-Charles de Petite Dessalines, qui fait qu'on est aujourd'hui que l'estimer que ce sont les Haïtiens qui t'a dû exprimer leur ras-le-bol face à la politique des États-Unis vis-à-vis d'Haïti. Yo a pu imposer modèle démocratie l'autre pays sous nous dans le pays d'après ça qu'il dit. Dans le moment ça, peuple haïtien doit décider pour prendre en main son destin. Nous-mêmes, Petite Dessalines, nous pas céder à intimidation. C'est ça que déclarait le leader politique Moïse Jean-Charles en réaction au nouvel CEP qui a été annoncé officiellement. Bon, côté parler Paul Denis, leader politique, fait qu'on est la cité. Déclaration autorité américaine, très minimisée par ce coordonnateur national du parti INIFO. Selon Paul Denis, c'est pas la première fois que les États-Unis a fait des menaces. L'IAP interrogé sur la forme de sanctions, d'après ça le dit. Ancien ministre justice temps mettait en doute la bonne foi des États-Unis dans le contexte socio-politique actuel. Demandé pour qui ça américain n'a pas fait tant de voyaux lorsque l'exécutif n'est pas arrivé à organiser élections pour renouveler le Parlement ainsi que les collectivités territoriales. Il est très mal placé puis il fait nous la leçon d'après ça que déclarait Paul Denis. Puis devant, leader politique l'a fait connaître que situation que le pays d'Haïti rivait trouver je ne jeudi hein. C'est une situation qui est très grave. Mardi Gras, mon papa, c'est mon ouïe.
C'est ça que conclut Paul Denis face à réaction que le gagne concernant les États-Unis qui brandit des menaces à tout leader politique qui t'avine camper en travers processus électoral. Bon, côté Pali, il y a la fusion des sociodémocrates qui dit que les choqués face à de telles déclarations. Président Patillan, qui c'est Edmond Supplice Bozil, jugeait que le message qui sortit bon côté département d'État américain est venu dans un mauvais moment et est inapproprié par rapport à contexte politique actuel. Où Madame Bozil dirigeait le pays par décret en l'absence du Parlement, c'est une situation qui est défavorable. Et je ne dis pas, les pas quoi que les États-Unis t'a doué à encourager un processus électoral qui mal dérapé d'après ça le quoi. Édouard Poultre, qui est le coordonnateur général du Conseil haïtien des acteurs non étatiques CONAN, estime que son secteur ne mérite pas ses reproches. Il fait connaître que la structure à laquelle il appartient toujours joué un rôle majeur dans l'organisation des élections dans le pays, notamment dans la constitution du Conseil électoral. Mais cependant, genre que situation présentée le jour et jeudi, il faut un accord politique avec tous les acteurs concernés avant de penser à organiser les élections, a-t-il conclu. N'a pas signalé aux amis téléspectateurs que d'autres réactions politiques ont été enregistrées concernant cette nouvelle donnée de l'actualité politique en Haïti. Certains leaders politiques se sont affichés pour le processus électoral, tandis que d'autres sont très critiques vis-à-vis de cette nouvelle donnée politique. C'est dans une prochaine émission, aux amis téléspectateurs, que nous allons retourner avec ce sujet brûlant de l'actualité politique en Haïti. Rupi Production Television, RPTV, le carrefour des informations et de la promotion. Messieurs, dames, la société Saint-Jacques Botanica de Mambo Vivi, l'ouvrit pour les débattants dans 109 East Boynton Beach Boulevard, suite quai dans Boynton Beach, Florida, pour bailler service à tout ça qui en a besoin. L'on fait sa rentrée dans Saint-Jacques Botanica ou pas capable de jouer une baleine. Florida, parfum, bois pain, t-shirts bas, sidi, DVD, foulard, cruche, ak remède pour guérir quelques maladies, mauvais esprits qui rentrent sous vous. Relais Mambo Vivi, jodia, dans 561 503 69 68, ou soit 561-737-0100 pour capable joindre tout ce qu'il a besoin. Dans Saint-Jacques Botanica, consultation personnelle ou familiale, cérémonie privée pour aider les affaires, chant à prière pour vos chances. Enfin, mes amis, dès que vous cherchez la victoire sous force fait noyau, marchez pressé. Venez dans Saint-Jacques Botanica, dans 109 East Boynton Beach Boulevard, suite quai, Boynton Beach, Florida, pour être décosé. Cassez rendez-vous avec mon beau Vivi dans Relais jeudi. Dans 561-503-6968, au soir 561-737-0100. Mambo Vivi a couru sous 35 l'année expérience, sac pour faire le père à l'Pocowell. Dans Saint-Jacques Botanica de Mambo Vivi, Wapi ou Diliwe, Ren Boumen et Diliwe Passel, il joigne. Restaurant côté tout le monde toujours bien manger, hein? C'est Jacob Restaurant N Bakery qui est 80 Mount Vernon Place, Newark, New Jersey, et qui a servi les meilleurs plats du jour, tous les jours, pour toute la communauté, et ceci depuis plus de 30 l'année. Dans section Bakery, il y a bon pâté, bon pain, biscuits secs, douce tablette, bonbon lamidon, langue bœuf, gâteau, enfin mes amis, depuis ces pâtisseries en gros comme en détail, pour toute occasion, c'est placé order rapide dans 973 373 2939 Jacob Restaurant NBCRI, tout pareil pour service. Dans section restaurant, les meilleurs plats du jour, chaque jour au menu. Déjeuner, lunch, dîner et souper au goût du client. Commande pour toutes les grandes et petites occasions, disponible pour tout le monde à la Ronde Badet. Jacob Restaurant, 80 Mount Vernon Place, Newark, New Jersey, ouvert tous les jours de 9h du matin à 9h du soir. Téléphone 973 373 2939 973 373 2939. Jacob Restaurant NBCRI, bon manger pour qu'à bien manger. Dans mi temps blanc gaillé, mal est vendu.
Unlimited Dresses and Styles qui dans 467 Main Street Orange New Jersey l'ouvrit chaque jour bon Dieu mettait pour le bail communauté évangélique en belle rade pour habiller pour les grandes et petites occasions. Outfit pour gala évangélique, habillement pour aller à l'église, uniforme pour chorale, rade pour usher, convocation, réveil ou bien képote qui rendez-vous spirituel. Unlimited Dresses and Styles, chargé modèle dans 467 Main Street Orange New Jersey, téléphone 973 677 75 62 ou bien 862 704 61 62. Unlimited Dresses and Styles, qui est également chapeau, jupe, blouse, accessoires pour votre beauté, en plus d'un service altération toujours là pour fixer rad ou pyraméen. Dans Unlimited Dresses and Styles, les prix sont très abordables. Livraison à domicile, quel que soit state aux États-Unis ou bien quel que soit pays dans le monde. Si vous mentionnez Owe et Tandé réclame ça, vous bénéficiez 30 à 50% de rabais. Unlimited Dresses and Styles, 467 Main Street, Orange, New Jersey, ouvert du lundi au samedi de 10h du matin à 6h du soir, fermé le dimanche, 973 677 75 62 862 704 61 62. Website unlimiteddressandstyles.com. Unlimited Dresses and Styles, paré pour l'habiller pour toute occasion. Bienvenue à notre segment d'émission Relations publiques, côté que nous partageons avec vous des annonces très importantes ou même qui sont importantes et qui ont annonce qui sont attendues pour capable voyer le nous par Borisite. Téléphone sous écran, pas hésiter, relez-nous. Première annonce que nous avons aujourd'hui, c'est Pierre Tax Group qui t'a même fait tout le monde songer que lui-même n'est pas un business qui l'a seulement pour le fil taxe et puis le disparaître, contrairement à un pilote. Au contraire, Pierre Tax Group, toujours là, dans la même adresse là. Dans même téléphone, dans le même website, là, et côté que les présents pour vous dans la vie pendant toute l'année. Parce que après la saison des taxes, il y a une chose qui arrive assez souvent, c'est que il y a des gens, des institutions, des business qui reçoivent une lettre de IRS qui ou bien a fait un audit ou bien a posé plus de questions concernant les gens que taxes ou te fil pendant l'année précédente. Là. Donc, si vous sentez que vous retrouvez dans la catégorie de gens, amis téléspectateurs, pas oublier que Pierre Tax Group, c'est un rare business dans la communauté qui est capable de représenter devant IRS parce que les licenciés pour ça. Nos amis téléspectateurs, ou même qui ont plus de questions que IRS a posé sur taxe côté fil pour un exode passé là, pas hésiter à contacter Pierre Tax Group. Pierre Tax Group annoncé que le traversier dans un nouveau local plus spacieux pour le capable bien servir. C'est dans Hepton Business Center qui est dans 15800 Pines Boulevard, suite 351 Pingo Pines, Florida. Nouveau numéro de téléphone, c'est 954-362-5199. Et website Flamand Neuf là, c'est pierretax.com. Pas oublier, Pierre Philanthrope bien plus passé 25 années d'expérience dans fil taxe personnel et business. Pierre Philanthrope, où est là? Et un master degree en Law of Taxation de University of Florida qui s'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Pierre Philanthrope licencié par Internal Revenue Service pour assister taxpayer aux États-Unis dans return yo ak problème ko ta ka gagner. Pierre Philanthrope recevoir Pinnacle Business Award 2018 de Miramar Pingo Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Relé 954 362 51 99 puis rendez-vous taxe avec Pierre Philanthrope. Avantage pour la clientèle, c'est que Pierre Philanthrope prend seul pour l'expliquer au tout sort où qu'on est dans Kessou et l'y accompagner pour crédit ou soit déduction qui n'ont taxe ou. Pour fil taxe ou légalement, contactez Pierre Philanthrope au 954-362-5199. Visitez-le dans le nouveau local là qui c'est 15800 Hepton Business Center, suite 351 Pingo Pines, Florida. Website là, c'est pierretax.com. Et pas oublier que Pierre Tax Group capable fil taxe ou à distance pendant période coronavirus là. Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, paré pour service taxou. Deuxième annonce à l'émission du jour, amis téléspectateurs, c'est pour vous-même qui êtes dans la situation côté que vous cherchez yon côté pour été. L'immeuble, c'est un simple appartement de yon chambre à coucher pour arriver dans yon gros château qui a plusieurs chambres à coucher. Eh bien, elle là. C'est une personne que nous recommandons pour capable contacter parce que l'y paraît pour aider.
Il paraît pour l'aider au parce que il aidait déjà plusieurs compatriotes dans la communauté et en pile là-dedans qui a manifesté satisfaction. Donc ou même qui joue aujourd'hui dans la position qu'on a cherché caille, qu'on a cherché un appartement pour été, elle a bien placé pour le capable d'aider. Troisième annonce, amis téléspectateurs à l'émission du jour, gagne Community Access Center qui t'a remis fait tout le monde connaît, particulièrement aux mêmes parents qui dans Broward County, que li gagne un after school programme qui déjà dérapé et ont continué à chercher jeunes qui dans 6, 7, 8 grade, on nous dit middle school age children, si que ou gagne ti moun qui dans l'âge ça cap chercher un after school programme dans l'après-midi après l'école after school virtuel et gratis pas hésiter contacter Community Access Center. Zami téléspectateur fait rapide place yo limité et c'est gratis ti chéri pour tout le monde dans Broward County qui gagne ti monde qui dans 6 7 8 grades. Community Access Center, menomé ak Children's Services Council, annonce l'ouverture des inscriptions pour After School programme nan kap déroulé virtuellement à travers Zoom Anessa pour toutes jeunes 6, 7, 8 grades qui habitent dans Broward County. Yon staff de professeurs compétents qui parlent anglais à créole paraît pour gérer programme After School virtuel là qui offre assistance pour homework, tutoring services pour mathématiques, cooking classes, musique, danse, reading, writing, health education. Enfin, mes amis, tout ça yon jeune besoin pour occupé temps comme ça doit en fin d'après-midi. Ou inscrit petit tout dans after school gratis là pour élèves l'école 6 7 8 grades dans Broward County ou doit enregistrer online dans site internet csifl.org. Marché pressé, place limitée. After school programme gratis là pour aider middle school dans Broward County possible grâce à Community Access Center avec Children's Services Council de Broward County, Florida. Aleko ak Peles Productions ap invite tout fanatik musique haïtienne dans une soirée live stream samedi 17 octobre 2021 dès 8h du soir. Yon live unique et original avec les frères des gens de Pétionville International. Ça vrai, c'est une soirée spectaculaire pour pas karaté avec des musiciens qui ont marqué le Etimaï avec les frères des gens de Pétionville. Samedi 17 octobre 2020 dès 8h du soir. Vin revivre les plus belles chansons du répertoire musical des frères des gens de Pétionville International en soirée live stream. Invité spécial dans un show de danse, Joanne Desjean et sans compter d'autres invités surprises à ce live. Spécial VIP Zoom online, $50 payé à l'avance seulement. Relais 954 534 57 72 pour VIP et sponsor. Les frères Desjean de Pétionville live stream à diffuser sur Popeye 20, Facebook et YouTube samedi 17 octobre 2020 dès 8h du soir. Une soirée à ne pas rater. Dernière annonce, amis téléspectateurs dans l'émission Journée Jodian, c'est nous-mêmes dans Happy TV qui avons avantage de plateforme ça pour nous capables annoncer que nous gagnons une émission de télévision tout neuf qui a dérapé samedi ça à 7h sur Happy TV, YouTube à Facebook. Émission ça a porté nom Éducation Plus, c'est le professeur Gisler Mésidor qui a présenté. Professeur Gisler Mésidor, c'est un professionnel de l'éducation qui a évolué du côté de Miami et de Fort Lauderdale, et ceci pendant plusieurs années.
Professeur Mésidor paré pour le capable partager avec nous, amis téléspectateurs, toute qualité d'information sur l'éducation. Quoi capable prendre déjà éducation changée. Je vous dis, gagne éducation online, gagne éducation qu'a fait dans internet, dans computer. Donc c'est une donnée qui nouvelle pour un pile parent haïtien. Li sont données nouvelles également pour les élèves, li nouveau tout pour les professeurs. Professeur Mésidor a porté pour nous des informations de première main concernant qui ça nous-mêmes parents haïtiens doit faire pour nous faire face. C'est pas ça seulement qu'a parlé dans l'émission ça. L'émission ça a tout tout ça doit connaître pour tout monde qui dans kindergarten et jeune qu'a levé dans middle school, même éducation pour grand monde et comment ou capable qualifier pour joindre des scholarships, pour aller dans le collège, vraiment, amis téléspectateurs, il y a une émission complète qui est capable de permettre tout, puis bien comprendre ce qui a passé journée aujourd'hui dans l'éducation aux États-Unis. Éducation Plus avec professeur Justin Mésidor, c'est une émission qui est présentée chaque dernier samedi du mois, 7h du soir, sur Roupi Production TV, Facebook et YouTube. Et puis, c'est information sur éducation où je toute l'éducation Plus. Sauti dans le jardin d'enfant, en passant par éducation online, traverser dans ISL, chavirer dans middle school, high school, ou atterrir dans scholarship ou collège, sans négliger éducation pour adultes, tout causé par les, qui inclut sa fait papier la loi mandé pour qu'on ait sous éducation. Chaque dernier samedi du mois, 7h depuis la brime du soir, sur Roupi Production TV, YouTube et Facebook, Éducation Plus avec professeur Justin Mésidor, qu'est causé. Prochez puis près, messieurs, dames. Émission, ça a fini, amis téléspectateurs, pour aujourd'hui. Nous apprécions côté là. Nous espérons que nous sommes capables de compter sous présence mardi prochain pour notre émission. Ici, Jude de Ronceret. Non pas M. Roupi, à mardi prochain.